tête en l'air. Milo! Où es-tu, mon chéri? Milo! Milo! Milo, tu es là? Milo! Mais où est-il passé? Milo! Milo, si tu te caches, ce n'est pas drôle. Milo! Hein? Je te cherche partout. J'étais là-bas, au fond du jardin. La prochaine fois, préviens-moi quand tu t'éloignes. Je me suis inquiétée. Je suis désolée, maman. Mais c'est à cause de Milo Tronic. Tu sais, mon robot adore se promener. D'accord, mais ce n'est pas une raison d'oublier de m'avertir avant de partir en balade. Tu vois, les mamans, ça s'inquiète pour pas grand-chose. Salut, Milo. Salut, Judith. Tu viens goûter chez moi? On arrive, Judith. Oh non, pas ton robot. Depuis qu'il est là, on ne se parle plus. Toi, tu es jalouse de mon Milotronic. Pas du tout. Mais il me casse un peu les oreilles. Bip, 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 bip. Oh, les filles. Elles sont toujours compliquées. Pas plus que les garçons. À tout à l'heure, Milotronic. Ah zut, je crois que j'ai reçu une goutte. Je ne peux pas laisser Milotronic sous la pluie, il va rouiller. Pff, encore ce robot. Oh! Mon robot a disparu. Il a dû aller faire un tour. Mais on ne part pas sans prévenir quand même. Milotronic! 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 Il s'est peut-être mis à l'abri à l'intérieur. Oh! Attends-moi, Milo! On dirait bien qu'il n'est pas là non plus. Que se passe-t-il, les enfants? Milotronic est parti, comme ça, sans m'avertir. Et toi, Milo? As-tu pensé à me dire que tu allais chez Judith? Si je ne t'avais pas vu partir, je me serais de nouveau très inquiétée. Excuse-moi, maman. Je te promets que ça n'arrivera plus. Très bien. Quant à ton robot, c'est moi qui l'ai rentré pour éviter qu'il ne s'abîme sous la pluie. C'est vrai? Merci, maman. Ça sent bon. En fait, il est très gentil, ce petit robot. Bah oui, c'est Milotronic. Milo au zoo. Aussi. On va voir des éléphants, des lions aussi. Oh! Allez, les enfants! Regardez, un perroquet! On dirait qu'il veut nous parler! Judith, regarde comme il est drôle, ce perroquet.
Avant de commencer la visite, je vais vous rappeler quelques consignes élémentaires. Ma maman m'a préparé un goûter spécial zoo. Ah bon? Et c'est quoi? Du pop-corn. Waouh! Tu m'en donneras? Bien sûr. Allez, viens. Il est interdit de donner à manger aux animaux. Et dernière consigne, restez bien ensemble durant toute la visite. Oui, maîtresse. On dirait des peluches. Oui, mais en fait, ils sont dangereux. Je sais bien, Vincent, mais ils sont quand même très mignons. T'inquiète pas, il fait sa sieste. Regarde, il vient de manger. Allons plutôt voir tes animaux préférés. Oh oui! Moi aussi! Tu en veux aussi, Vincent? Oui, merci. Mais non! C'est pour les éléphants! Il ne faut pas donner à manger aux animaux. Je suis sûre qu'il dit ça exprès pour nous embêter. Tiens, c'est pour toi! Milo, Judith, avez-vous oublié qu'il est interdit de nourrir les animaux? C'est même strictement interdit. Mais c'est juste du pop-corn. Pop-corn, cacahuètes, quignons de pain, tout ça n'est pas pour les animaux. Et manger tout le temps est même très mauvais pour leur estomac. Ils ont chacun un régime spécial. Ces poissons, c'est pour qui? Pour les pingouins. Et après, j'irai donner des fruits aux singes. C'est mon métier de nourrir les animaux. Alors, je sais exactement ce qu'il leur faut. Vous voyez comme ils ont l'air heureux? J'ai compris. Je crois que je vais plutôt partager mes pop-corns avec mes copains. Oh oui, tu as bien raison. Allez, à bientôt, les enfants. Au revoir, monsieur. Et dis non. Tiens, c'est le dernier virage. Merci. Et voilà, c'est fini. Milo, il est vraiment super ton nouveau circuit. C'était à mon oncle quand il était petit. Et on va bien s'amuser à faire des courses. Mais où sont les voitures? Il les a perdus il y a longtemps, mais il y en a plein ici dans le catalogue. Cet après-midi, maman et moi, on va les acheter. Viens, on va choisir. Oh, regarde comme elle est jolie. Oui, mais moi, je préfère la rouge. Et je suis sûre qu'elle va plus vite. Vroom, vroom. La bleue est sur la ligne de départ. La rouge démarre. Je
suis pressée de faire la course avec tes nouvelles voitures. On va bien s'amuser. Dino dans la jungle, Dino dans les airs. Oh. Oh. Dino est toujours prêt pour l'aventure. Les voitures électriques, je crois que c'est par là. Dino dans la jungle, Dino dans les airs. Eh bien, Milo, tu viens? Oui, oui, maman. Dino est toujours prêt pour l'aventure. Dino? Il est où? Mais où sont ces voitures électriques? Dino dans la jungle, Dino dans les airs. Pardon, monsieur, c'est lui, Dino? Oui, toujours prêt à l'aventure. J'ai enfin trouvé les voitures électriques. Attends, pardon monsieur, Dino, comment il vole? Avec ses ailes. Regarde. Oh, il ne vole pas tout seul comme dans le film. Oh non, le film c'est pour donner envie. Mais regarde, il crache du feu. Dis-moi Milo, je croyais que tu voulais acheter des voitures électriques pour ton circuit. Je crois que je préfère Dino. Tu es sûre? C'est toi qui décides. Eh bien, Milo, ça ne va pas? Tu n'aimes plus les crêpes? Dino est gentil, mais je regrette de ne pas avoir choisi les voitures. Maintenant, je ne peux plus faire de courses avec Judith. Pourquoi as-tu choisi Dino? Au magasin, c'était toujours Dino, Dino, Dino. Milo, ça, c'est ce qu'on appelle la publicité. Elle nous informe, mais souvent, elle nous influence et nous donne des envies nouvelles. Mais maman, en vrai, j'avais envie des voitures. La bleue pour Judith et la rouge pour moi. Ce n'est pas grave, mais tu y penseras la prochaine fois. Demain, on retournera tous ensemble au magasin et on échangera Dino contre les voitures. Youpi! Mais c'est ma voiture bleue qui gagnera la course. Non, c'est la mienne. La rouge.